bénéfices des entreprises sont taxés deux fois. La première fois par l'impôt sur le bénéfice. La seconde fois, lorsque l'entreprise distribue du dividende à son actionnaire, par l'impôt sur le revenu. Cette double imposition est modérée par une imposition réduite du dividende. Cette imposition réduite est applicable dans tous les cantons suisses et au niveau de la Confédération. L'initiative vise à supprimer cette correction. Cette initiative est un mauvais signal supplémentaire pour les entreprises, en particulier les PME familiales. Ces entreprises qui innovent, qui créent de l'emploi, qui soutiennent l'économie, sont déjà celles qui subissent l'imposition la plus lourde en Suisse de l'outil de travail. Accepter ce texte revient ainsi à dire à ces entreprises qu'elles ne sont pas les bienvenues à Genève. Il faut voter non à cette initiative.